Si tu as un ourlet à faire sur du jean, attends avant de couper. Je te montre comment garder l'ourlet d'origine. Tu commences par replier le bas du pantalon à la hauteur que tu souhaites. Tu vérifies bien que ton ourlet fait bien la même taille tout le long, c'est important. Et à la machine à coudre, on va piquer au plus près de l'ourlet original. Si ta machine a un bras libre, on l'utilise. Pour que ce soit plus précis, je te conseille de chausser le pied presseur à fermeture à glissière. Et ensuite, tu n'as plus qu'à coudre au point droit, au plus près de l'ourlet déjà existant. Lorsque tu as terminé, deux possibilités, soit c'est pour un enfant, comme c'est mon cas, et je te conseille de garder l'excédent à l'intérieur, de ne pas le couper, comme ça lorsque ton enfant va grandir, tu vas pouvoir découdre ton ourlet et rallonger le pantalon. Et si c'est pour toi et que tu n'as plus l'intention de grandir, tu peux couper l'excédent et surfiler pour que ce soit plus propre. Bonne couture !